Itsuotsuda disait que ses maîtres avaient laissé de très bonnes carottes et que lui les avait mangées et qu'elles étaient devenues Itsuotsuda. Itsuotsuda a donc laissé d'autres carottes que ses élèves ont mangées et c'est devenu eux-mêmes. Et aujourd'hui, donc, nous avons Bruno et Kika, d'ailleurs Kika qu'on a vu un petit instant dans la vidéo. Ils vont partager avec nous ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont traversé de leur parcours avec Itsuotsuda. C'est émouvant d'être ici avec tous ces vieux copains et toute la jeune génération aussi. Et pour moi, c'est un plaisir de collaborer avec vous ici. Pomme. Oui. Bon. Ben oui, merci. Hein. D'abord, merci d'être ici. Merci de ce beau cadeau, de ces retrouvailles, en fait. Kika, la dernière fois que je l'ai vue, c'était il y a 30 ans. On est dans des conditions un peu malheureuses. Monsieur Tsuda était alité à ce moment-là. Il était dans les derniers jours de sa vie. Et je passais le relais à Kika. On s'est quitté sur le pas de J'ai la. visité Monsieur Souza un mois, presque avant qu'il parte. Et il était allongé sur son lit et il dormait. Alors je me suis assise à côté, en essayant de vider ma tête et de faire youpi et de profiter d'être là. Et tout d'un coup, il a ouvert les yeux, il me regarde, il a commencé à parler, mais je ne comprenais pas parce qu'il parlait très bas. Alors je me suis. Qu'est-ce que je fais? Je l'ai débranché. Ouais, oui, j'avais une. Alors il parlait très bas et je ne comprenais pas vraiment comment. Alors je me suis approchée. Mais il m'a regardé avec les yeux qu'il avait directement comme ça. Il me dit la vie, Aikido c'est Yuki, la vie c'est Yuki, tout est Yuki. Mais avec sa voix comme ça, il l'a répété plusieurs fois. Non? Et après, il a fermé les yeux et je suis resté à côté de son lit. En train de avaler tout ça, doucement. Et peut-être 20 minutes ou une demi-heure après, il ouvre les yeux comme s'il ne m'avait pas vu avant. Et il m'a répété la même chose. Alors pour moi, ça c'est un message souligné que c'est la Yuki, ce qui passe à travers tout. Quand on pratique, quand on est débutant, on ne comprend rien, on répète comme un perroquet, on fait, on ne sait pas ce qu'on fait, on se demande pourquoi je suis venu. Si. Bon, il y a beaucoup de choses qui passent avant que ça démarre, non? Mais si tout passe à travers les yukis, il y a quelque chose de profond qui change dans nous. Et ça, je crois que c'est un cadeau. Qu'on a reçu tous, qu'on l'a connu, mais ce n'est pas exclusif des anciens. Hein? Ce n'est pas, oh, on est des anciens, on est la plus grosse carotte, nous. La mienne est la plus grande. Non, ce n'est pas ça. On est tous sur le chemin. Et c'est surtout, j'aimerais bien dire aux gens qui pratiquent qu'il faut beaucoup pratiquer. Hein? La motivation vient à travers la pratique. Hein. Ce n'est pas un cadeau, c'est quelque chose qu'il faut travailler la terre avant de sortir les carottes. Hein. Pomme. Ouais. C'était vraiment le leitmotiv de Monsieur Tsuda, c'était
pratiquer. Il disait, moi, tous les matins, je frappe à votre porte, et puis si vous vous réveillez, ben, tant mieux, mais si vous restez dormir, ben, tant pis pour vous. Moi, je continue tout seul, de toute façon. Et puis, ben, si derrière, je me retourne, comme il disait dans le film, et qu'il y a des gens qui sont intéressés, et à ce moment-là, il donnait tout ce qu'il y avait de meilleur. En fait, pour moi, c'est vraiment une école du plaisir, avant tout. Les retrouvailles avec... la simplicité. Si je pouvais décrire M. Tsuda, je dirais comme l'adage de Chuang Tzu qui dit « La grande gentillesse exclut la petite gentillesse ». Il y avait ça, il y avait... il pouvait être très dur, il pouvait... Mais derrière, même dans sa dureté, il y avait un enseignement qui nous donnait quelque chose de très magique qui se passait. Et pour faire lever toute la bande qu'on était, de chômeurs, d'étudiants, on était tous un peu de milieux différents, à 6h30 du matin et venir vraiment suer sur les tapamis, on peut dire. C'était pas très agréable au début parce que on faisait un peu n'importe quoi, on mettait les pieds, il disait, mais vous comprenez rien, on repartait, presque en pleurant quelquefois. Mais il y avait quelque chose toujours qui nous faisait revenir et ce plaisir de le retrouver, d'être là avec lui. Il y avait deux parties qui étaient très importantes. Bon, l'aïkido, mais la deuxième partie, c'était le café le matin. Oui. Et au café, on apprenait peut-être davantage presque que dans l'aïkido. Et il y avait une espèce de communion. Il avait réussi à rassembler des gens complètement improbables qui se seraient jamais salués, même dans la rue. Et il a réussi à nous faire nous connaître. Bon, c'est vrai que après, quand il est parti, il y a eu un moment assez difficile parce que peut-être, enfin je parle en mon nom, hein, il y avait un manque de maturité, on aurait aimé être un peu plus couvé peut-être avant de pouvoir partager ce qu'on a reçu de lui. Je pense qu'on est un peu des héritiers d'un trésor immense, mais dont la portée est inestimable. Et je dirais qu'elle peut répondre à ce qui se passe maintenant sur la Terre avec, disons, ce monde impitoyable dans lequel on vit. Il y a des réponses que M. Tsuda donnait. Il était en avance sur son temps et que nous, les petits apprentis autour de lui, on a commencé à découvrir et à ressentir et à faire passer à travers les enfants. Mais on est encore vraiment, comme il disait tout à l'heure, devant Maître Ueshiba, je suis à une distance, et nous ne parlons pas de nous, mais il y a ce, en tous les cas, je dirais aujourd'hui, je suis très ému parce que j'ai retrouvé des personnes que j'ai pas vues depuis 30 ans ou depuis 10 ans, 20 ans. Et je sens que quand je les revois, ils sont là, ils sont... Et il y a le qui de M. Tsuda qui est là. Moi, je dirais, il est avec nous, là. Et on le fait revenir d'une autre façon, mais pas comme des médiums en train de dire « Attention, M. Tsuda va nous donner des messages et tout. » Mais d'une façon naturelle, parce que il y a une vérité qui est passée à travers nous. Et ça, c'est à travers nous tous. Moi, je suis là en train de parler, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Je suis là, j'ai dit oui. Même n'importe qui ici pouvait parler. Ouais. Et voilà, et pong.
Bon, je dois dire que pour moi, la séparation de Souda, j'étais habituée qu'il partait en voyage, non? Il venait 3 fois par an à Ibiza. Alors, chaque stage, après, il y avait un au revoir, non? Et entre stage et stage, on pratiquait comme des fous. J'avais plein de questions. La prochaine fois que je le vois, je veux demander ça, tout ça. Toujours la tête pleine, parce qu'il y avait un manque d'expérience, non? Et après, quand il venait, la réponse, elle était déjà répondue à travers la pratique, non? Et il faut dire aussi que les stages chez moi, ils étaient un peu... À Paris, il y avait toute la bande, tout, hein? À Ibiza aussi, il y avait une bande. Plus il y avait les Français qui venaient pour agrandir le groupe. Et on allait toute la nuit de fête. Après, on dormait 1 heure, 2 heures. On allait à la guide 2h30. On était, c'était bien concentré, non? Mais quand même, il y avait quelque chose qui restait, non, c'est curieux, mais on était très présents tous. Il ne fallait pas pousser les gens. Les gens avaient envie de pratiquer pour eux-mêmes, non? Aussi, quelquefois, maintenant il paraît que les gens ils ont besoin de caramel, non? Non, si on choisit la voie de M. Souda, il faut dire que le caramel, il n'y a pas de caramel. Chaque fois, chacun doit faire sa cuisine. Non? Comme M. Souda disait, chaque jour, j'apprends. Tous, on continue chaque jour à apprendre. Alors le niveau, si on est vraiment intéressé, on est vraiment motivé, il n'y a pas de limite. C'est chacun qui choisit ses limites. C'est ça la liberté, c'est la responsabilité aussi, et l'envie profonde de faire les choses. Non? Oui, tout à l'heure Kika disait... L'aïkido, c'est Yuki, et enfin, c'est M. Tsuda qui disait, et Noguchi l'a dit aussi, il me rappelait Régis, avant de mourir, il a dit la vie, c'est Yuki. Et je crois que c'est vraiment ce qu'il a transmis. Moi, je pense que j'aurais jamais eu d'enfant si j'avais pas rencontré M. Tsuda dans le monde dans lequel on vivait actuellement, ou on vit actuellement. Et d'avoir lu, d'avoir été instruit par lui par rapport aux enfants et à la préparation de la naissance, au Yuki, ça fait partie de cet héritage et de ce cadeau d'accueillir la vie et aussi de laisser partir la vie, parce qu'il y a ces deux extrêmes qui sont dans notre société complètement occultées. La naissance, on est à l'hôpital, et la mort, on meurt à l'hôpital. On meurt loin de chez soi, et on est aussi loin du foyer. Et je pense que c'est un... Il a traduit ce que disait Noguchi, et était même plus loin par rapport aux accouchements à la maison, à la préparation. Et ça, c'est quelque chose, je pense, d'essentiel pour les nouvelles générations, de penser que, aussi, de se débarrasser de ces contraintes, de ces contraintes par rapport à la maladie. De comprendre que la maladie fait partie de notre processus, de la vie, et de désamorcer cette espèce de dépendance, de redonner en fait la souveraineté à chacun, la responsabilité à chacun
du fait qu'on se guérit soi-même et on accepte la maladie et on vit avec. Moi, j'ai eu une opération très grave avant de connaître M. Tsuda et j'ai été embarqué dans le milieu médical. Et si jamais j'avais pas croisé ce chemin par l'intermédiaire d'un médecin qui m'a, sur une ordonnance, mis... voilà, il m'a plié l'ordonnance et j'ai lu, j'étais très étonné. Lire le non-faire et la voie du dépouillement. Et c'est comme ça que j'ai... Et après, à cette époque-là, M. Tsuda avait disparu puisqu'il était parti des Épinettes. Donc j'allais au dojo des Épinettes et on ne savait plus où était M. Tsuda. Il y avait une période comme ça un petit peu floue. Et après, le médecin m'a envoyé un petit mot, m'a dit « ça y est, j'ai retrouvé, il est rue d'Avron maintenant ». Et donc voilà, et c'est rue d'Avron que j'ai rencontré M. Tsuda pour la première fois. Voilà. Et j'ai pu, bon maintenant j'ai 61 ans, à l'époque je devais avoir 25 ans, 26 ans, et tout a changé. Et depuis l'instant où j'ai commencé la pratique avec lui, je l'ai quitté quelques années, enfin j'ai quitté le dojo quelques années après sa mort, et puis, mais il est toujours présent en moi et je continue à pratiquer régulièrement. Parce que ouais, la vie c'est Yuki. Oui. Pong. Quand j'ai connu M. Tsuda, je ne parlais pas un mot de français, vraiment pas un mot. Alors, toutes les conférences, toutes les explications, tout ça, moi je ne comprenais rien. Un peu à travers les gestes, mais moi j'ai écouté par ma peau, ça entrait dans la sensation. Non? Quelquefois, ça m'a aidé beaucoup à avoir la tête vide, non? Parce que moi, j'avais pas de discussion. Je pouvais pas avoir de discussion. Alors, ça passait dans un autre langage. Et ce langage, on peut, cette sensation, on peut la répéter. Je me rappelle de ce moment. Au Seitai, je me rappelle de ses mains au Yuki, ou quand je le saisis pour faire l'aïkido, je me rappelle beaucoup de sensations que après, ça m'a servi de guide pour faire suivre un peu la même sensation. Non? Et à travers ça, j'ai pu apprendre parce que j'ai répété comme un perroquet tous les mouvements, par exemple en aïkido. Je ne comprenais rien, pourquoi on fait comme ça, qu'est-ce qui se passe. Alors j'ai passé des années à répéter comme un perroquet. Mais il y avait une sensation, même avec le norito aussi, j'avais une sensation quand j'écoutais son norito. Alors ça m'a aidé aussi. Petit à petit à débloquer ma respiration parce que je voulais répéter cette sensation. Et à travers l'aïkido aussi, l'inspiration, ça, c'était comme un ascenseur à la Twin Tower. No? On montait et on descendait. Ce n'était pas seulement une chose physique, non? On était attrapés. À travers la visualisation, la technique, tout ça, quelquefois on pense qu'on regarde la visualisation. Non? Et avec la sensation, on entre dedans. Non? Et ça m'a donné beaucoup. Parce que il n'y avait pas de mots expliqués, c'était une sensation, alors plongée, c'était comme ça.
Ouais. Je voulais raconter une petite anecdote parce que quand les parents étaient inquiets pour leurs enfants, Yuki, les enfants Yuki, c'était tout un processus, toute une. Parce que donc on. Il faut dire que on était vraiment les apprentis là. Alors on lui demandait, Monsieur Tsuda, il y a de la fièvre, il y a ci, il y a ça. Et je me rappelle qu'une amie avait un de ses enfants qui était assez malade, même très malade. Et Monsieur Tsuda aimait bien venir dans les familles et était invité souvent à déjeuner ou à dîner. Et ce soir-là, cette amie avait invité Monsieur Tsuda. Et à la fin du dîner, elle lui a demandé, Monsieur Tsuda, est-ce que vous pourriez monter, aller voir mon fils qui est très malade. Et donc, Monsieur Tsuda est monté. Et puis, après quelques temps, il est redescendu. Ils l'ont quitté. Au revoir, après le dîner, ils l'ont raccompagné chez lui. Et puis, la maman s'est précipitée vers la chambre du garçon pour demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui t'a dit etc. Et le petit garçon a dit, on a fait une bagarre de polochon avec Monsieur Tsuda. Et je veux dire, c'était comme ça, il y avait vraiment ce plaisir de. Il y avait en même temps une grande concentration et vraiment une joie de vivre, un plaisir de vivre. Monsieur Tsuda aimait bien boire un bon coup, il aimait bien les bons repas, il aimait bien. Donc, pour moi, vraiment, et pour nous tous, et je voulais remercier encore une fois Régis, oui, moi aussi. Et Manon de nous avoir permis de le faire revenir ici, là, un peu. Demain, c'est Régis et Jean-Marc qui vont parler, et je pense qu'ils ont pas mal de choses aussi à vous raconter. Ouais. Et voilà, on est très très heureux. Alors, donc, est-ce qu'il y a une petite séance de questions, si vous voulez, s'il y en a parmi vous qui ont des questions, quelque chose que vous voulez leur demander. Bon, voilà, habituellement, il y a toujours un grand blanc quand on propose ça. La réponse vient toute seule. Oui, voilà. Ah, là, il y a une question. Il y a une question. Oui, on a parlé beaucoup de la femme. Je voudrais savoir... quelle était votre première impression quand vous avez vu Tsuda la première fois, que vous ne le connaissez pas? Moi, la première fois que je l'ai vu, c'était pour un stage seulement d'un week-end qu'il est venu pour tester de venir. Non? Et si je parle sincèrement, il nous montrait le solfège. Et à un moment, j'ai dit à mon copain, il nous manque un pas. On faisait le solfège, mais sans le dernier pas. Et mon copain dit, mais non, on est bien. Je dis, non, il vient de dire qu'il manque un pas. Et mon copain ne l'a rien dit. Alors, mais moi, j'ai entendu alors, qu'il dit qu'il nous manque un pas. Alors, c'est pas vrai. Bon, on a eu une discussion comme ça. Mais moi, j'ai entendu qu'il nous manquait un pas. Alors, j'ai dit, tu vois, ça entrait comme ça, direct. Il ne disait pas, mais j'entendais. Ouais. Bah moi c'était un petit peu moins glorieux parce que au début quand j'ai commencé l'aïkido, je mettais en plus je suis dyslexique donc je mettais le pied gauche au lieu du pied droit, je me faisais tout,
Enfin, je partais des fois des séances d'aïkido en pleurs et c'était impressionnant de le voir. Mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment la bienveillance derrière. Il y avait un aspect assez sévère, mais derrière, il y avait une telle bienveillance qu'on était attiré vers lui et comme si c'était notre grand-père qui nous racontait des histoires. Oui, une dernière alors. Bruno et Kika, est-ce que vous pensez que Itsuo Tsuda faisait une différence entre les maladies bénignes et les maladies malignes? Oui, il le disait, il y a les maladies, disons, naturelles, comme la fièvre, comme la diarrhée, les rhumes, qui sont très importantes parce que justement c'est des régulateurs de notre organisme. Et il appelait aussi les maladies des grosses dettes, comme les cancers. Où il disait, ça met plus longtemps, mais ça n'a aucune importance. Il appelait même certaines maladies la maladie de Frankenstein, parce qu'il se disait, on va inventer encore d'autres maladies. Parce que les maladies, en fait, n'ont aucune importance. Parce que ce qui intéressait M. Tsuda, c'était la vie. Donc, à partir du moment où on se concentre sur la vie, où on se concentre sur le yuki, la vie, elle fait son travail, elle met un peu plus de temps. Bien sûr, un jour, il faut mourir, mais au moins, on n'est pas mort de la maladie de Frankenstein, on est mort... en faisant Yuki, voilà. Et c'est ce que je rêve. Bon, je vous propose qu'on se retrouve tous. Une dernière question. Oui. La dernière de la dernière de la dernière. J'étais intéressée à savoir si quelqu'un de vous avait vu Maître Tsuda faire ses calligraphies. Si quelqu'un avait vu comment ça se passait. Moi, non. Moi, j'ai vu le chantier un peu avant et après, parce que j'allais le chercher souvent. On était plusieurs à être chauffeurs, parce que c'était un plaisir d'aller le chercher, de lui éviter de prendre le métro, et d'aller le chercher. Je me rappelle, il y avait Laurent Carolfi, il y avait Alain Bidron, Didier, Dominique Guiraud, enfin... je ne vais pas citer tout le monde, parce qu'il y aurait une liste, pas si long que ça d'ailleurs, mais oui, ces calligraphies, moi je voyais le chantier dans son appartement parce que elle séchait dans sa salle de bain où elle. Il faut vous dire que c'est de la cire sur des toiles et il doit les faire très rapidement parce que la cire se durcit rapidement. Donc c'est et puis après, une fois que c'est passé à la cire, les carrés de tissu sont... j'ai vu sa baignoire pleine de calligraphies. Il faisait tremper ses calligraphies dans les teintures bleues ou les teintures marron. Et après, il faisait sécher les calligraphies. Mais je ne l'ai jamais vu faire, sauf peut-être dessiner comme ça, brièvement, avec un crayon. Mais en tous les cas, ce que je me souviens, c'est que comme aujourd'hui, quand ces calligraphies, on les accrochait au dojo des petites écuries, c'était un enchantement. Il y avait, on était tous là, on avait tous un petit point rouge parce qu'il fallait retenir la calligraphie en mettant un petit point rouge si on la voulait. Mais comme on était fauchés comme les blés, on économisait quelquefois pour avoir une calligraphie. Mais c'était, c'était, on sentait que c'était un plaisir immense, un don qui faisait à ses élèves. Et c'était important que chacun ait une calligraphie. Et voilà, la petite anecdote sur la calligraphie. Alors, de dernière, non c'est... Alors, donc, voilà, vous avez peut-être déjà fait le tour ou pas encore, l'exposition de calligraphie, l'exposition de photos. Il y a aussi une vidéo qu'on va remettre qui tourne en boucle avec des images d'archives, etc. Et puis surtout, donc, on vous offre un petit vin d'honneur et quelque chose à grignoter ensemble.
Merci. Merci. Merci à vous.